ابني استشهد الإصابة. كنت في عنا عزاء قاعدين في البيت، أنا والولاد عمي قاعدين، إحنا كنا 6 أشخاص قاعدين على الكراسي. يوم 3/1 الساعة 7 في الليل طيارة استطلاع خبطتنا وإحنا قاعدين. We are cleaning the wound, but also after the surgery we are going to give him, as I said, painkillers and antidepressants. The most important thing now is just to treat the consequences, the what we call the sequela of the war. I mean, patients who had amputations, severe amputations, and the patients who had burns. Les types de chirurgies que MSF fait dans l'attente, ce sont des chirurgies de reprise. Donc c'est-à-dire que c'est tous des cas qui ont déjà été opérés et qui ont besoin d'une reprise. Donc on va faire une mise à plat d'une plaie profonde, on peut faire éventuellement, on va repositionner un fixateur externe, on peut faire aussi de la greffe de peau sur par exemple des patients qui ont été brûlés. Ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'est ce nombre de gens qui avaient été opérés qui allaient forcément besoin d'être opérés. Parce que les opérations se sont faites dans l'urgence, il fallait que ça aille vite, il y avait trop de blessés qui arrivaient dans les hôpitaux. On a tout de suite localisé là un vrai besoin, donc on s'est concentré là-dessus, sur ces chirurgies de reprise, et pour nous ça avait encore plus de pertinence, et parce qu'on avait aussi déjà cette activité post-opératoire qui était en marche depuis maintenant presque 2 ans, donc pour nous il y avait clairement un lien, et finalement ça vient un petit peu compléter notre programme et donner tout son sens à notre programme post-opératoire.